Sur moi, je l'ai lu, donc je comprends le symbole que c'est. Derrière, on a le synopsis que je lirai tout à l'heure. On va regarder un petit peu. J'avais dans mon sapin de Noël. C'est très doux. Alors je me suis dit que je pourrais l'essayer sur le micro. En essayant de vraiment frotter lentement pour ne pas agresser les oreilles. Moi, je sais que quand je regarde l'ASMR, le frottement des plumes ou des pinceaux, c'est un des triggers que je préfère. C'est ce qui m'apaise le plus et qui fait que je m'endors. Moi, elle ne sera pas seule dans sa quête, puisque Edmond, son compagnon, sera avec elle pour l'aider à réaliser son rêve. Donc, si je pouvais résumer la BD en un mot, ce serait
grâce au caractère bien trempé, va bouleverser sa vie. Passionné d'alpinisme, Olympe Nagarev, escalader le Mont Blanc, pour régaler la bourresse de son aïeul Auriel d'Angeville. Edmond promet de l'aider à le réaliser, malgré le sort qui s'acharne. Si l'amour peut déplacer des montagnes, il peut aussi aider à les gravir. Désolée, maman. Tu crois que ça va me suffire des excuses pour éviter les torgnoles de mon vieux? T'énerve pas. C'est qu'une auto. Je m'énerve si je veux. Et tais-toi, donc, Louison. Vu le prix du silence, tu dois pas avoir souvent les poches pleines. Je me souviens de toi, Edmond. C'est ça. Maman, c'est qui cette bébé qui crie, maman? Mais c'est Olympe. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait un bail. Je suis venue avec tes copines d'atelier, mais je crois que tu les as fait fuir avec ton haleine. Bon, ben.
commencé avec ma bonne amie. Et toi, t'as pas une bonne amie à rejoindre? J'ai plutôt envie de prendre l'air. On étouffe ici. Tu te souviens cet hiver-là? On était allé patiner sur le lac. Comment oublier? C'est pas souvent qu'on voit quelqu'un se cameler avec autant d'entrain. D'ailleurs, c'est pas à toi que j'avais prêté les patins de mon père. Tu ne me les as jamais rendus. C'est que les Allemands sont venus me les... par beauté. Et j'ai pas osé venir m'excuser. J'étais pas très courageux à l'époque. Et maintenant? Je crois qu'il est temps que tu me raccompagnes. Et voilà. Automne 1949, Paris. Madeleine, qu'est-ce que tu fais là? Je faisais des emplettes dans le quartier et j'en ai profité pour passer, comme tu ne viens plus à la maison. C'est que rien ne me manque là-bas. À part toi, bien sûr. En tout cas, ça a l'air de bien payer ton indépendance, petite sœur. Touche pas, c'est pour mes clientes. Ça ne te suffit pas de travailler chez un couturier. Faut encore que tu en rajoutes à la maison. Ce n'est pas ça. Mon salaire suffit à payer le loyer et les repas. Mais j'ai des projets. Avec Edmond. Ça y est, il s'est enfin décidé. Ça fait plus d'un an que vous vous fréquentez. Il serait temps. Ça fait longtemps qu'on en discute. Mais il a peur de ne pas être assez bien pour papa. C'est sûr. Tu aurais pu trouver mieux qu'un ouvrier. Et quoi? Moi aussi je suis ouvrière. Aide mon travail dur et tu devrais respecter ça. Mais toi, c'est pas par choix, c'est par nécessité. Papa n'a pas tort quand il dit que ça te passera. Ce n'est pas une lubie, si c'est ce que tu crois. J'aime créer avec mes mains. Et puis, je ne veux plus dépendre de personne. Ça m'a déjà fait même assez de mal d'avoir dû demander à papa l'autorisation de travailler et de m'installer toute seule. Tu comprends? Je sais que tu l'as moins connu que moi, mais c'est fou que tu ressembles à maman quand tu t'enflammes comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser... Tu te souviens de sa vieille malle? Celle où elle rangeait nos affaires de montagne. Je l'ai retrouvée au grenier avant le déménagement. Et regarde, il n'y a pas que nos vieux vêtements. Il y a aussi tous les carnets de Tati Henriette. Toutes les notes qu'elle a prises pendant son ascension du Mont Blanc. Et qu'est-ce que tu veux en faire? Tout à l'heure, tu m'as demandé pourquoi je voulais gagner plus d'argent. Eh bien, j'envisage de suivre son itinéraire. Tu veux escalader le Mont Blanc? Mais tu es encore plus folle que je ne pensais, Olympe. Tu ne m'en crois pas capable. Si, et c'est bien ce qui me fait peur. V'là mon Américain. Je lui ai dit de venir me chercher ici. Je dois y aller, mais on continuera cette discussion. Promets-moi que tu viendras à la maison pour Noël. Je ne sais pas si... Ne te laisse pas me faire faux bond. Et tu me présenteras ton Edmond avant. Si j'estime que c'est un bon cas, je te promets de convaincre papa de l'inviter. C'est d'accord? D'accord. Sois sage et ne fais rien que je ne ferai pas. Tu me connais. C'est pas mon genre de me faire entretenir par des beaux soldats. Tu ne sais pas ce que tu diras. Enfin, on n'attendait plus que toi. Vous tombez bien, Edmond. Un peu
pluie et nous mangeons sans vous. Vous connaissez Jean, mon neveu. Je n'ai pas ce plaisir. Olar m'a beaucoup parlé de toi. En bien, j'espère. Salut, belle sœurette. Salut, beau frère. Essaye nos passions à table. Edmond, il paraît que tu travailles dans l'usine de Boulogne. Oui, je suis mécanicien soudeur. Et que nous prévoit la régie pour l'année prochaine? Je ne devrais pas en parler, mais j'ai vu un prototype sortir de l'atelier et les gars de chez Citroën font bouger leurs freins. Vous avez bien choisi votre voie. L'automobile, c'est l'avenir de la France. J'espère cependant que vous avez des perspectives d'avancement. Ce n'est pas avec votre salaire d'ouvrier que vous pourrez entretenir ma vie. Mais personne ne m'entretient. Je travaille et je touche mon propre argent. C'est bien pour t'occuper, mais comment feras-tu quand tu auras un enfant pour continuer à travailler? Regarde ta sœur, elle s'est trouvée un riche américain qui pourra subvenir à ses besoins. Je vous rassure, j'ai postulé pour une place au bureau d'études à la demande de mon chef. D'ici quelques mois, je pourrai travailler à la conception de nouveaux modèles. Ce qu'il nous faudrait, c'est des voitures capables de rouler sur la neige, comme sur le bitume. Chaque année, c'est un calvaire de monter jusqu'à Chamonix. Tu as sans doute raison, mais j'ai jamais quitté Paris, alors la neige, moi. Tu n'as jamais vu de montagne? Si, en photo, mais je ne suis jamais allée plus haut que les buttes. Qu'est-ce que vous leur trouvez de si spécial? La montagne, c'est l'essence de notre famille depuis Tati Henriette. La première femme à avoir réussi l'ascension du Mont Blanc par ses propres moyens. Une femme fière et têtue, un peu comme Olympe qui aimait la montagne. Comme vous l'apprendrez à l'aimer, j'en suis sûre. Ma mère était fascinée par Henriette. Quand nous étions petites, elle nous lisait ses carnets d'ascension, nous apprenait à grimper pour que nous puissions un jour réitérer son exploit. Mais maman est morte avant que nous soyons en âge de la suivre. Je comprends mieux ta passion maintenant. Avenue Montaigne, Paris, mars 1950. Olympe, il y a un beau garçon qui te demande en bas. Edmond, qu'est-ce que tu fais là? Il m'envoie à Chamonix, chez les chasseurs alpins. On dit que c'est les plus durs. Je suis sûre que c'est un coup de ton père. Le général a dîné à la maison le mois dernier. Ils ont dû en discuter au moins. C'est pas l'Indochine. Quand pars-tu? Demain. Messieurs, au 13e, nous allons faire de vous des hommes et des combattants craints par l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis cette année comme citadins? On se croirait sur les Champs-Élysées. Et toi, d'où viens-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ah, donc t'es parigo. Allez, plus vite. T'es pas encore au sommet. Tu vas lâcher maintenant. Pas tant que t'es sous mon compte. Ça aurait été bête de rater ça quand même. Qui fait son premier 3000 parmi vous? On a une tradition chez les chasseurs alpins. Sortez vos godets et baissez vos frocs, que je vous l'explique. Et je ne veux pas voir une seule goutte de Genépi sur la neige, j'ai compris. L'air pur de la montagne nous rend fiers et joyeux. Gravissant la rocaille, nous grimpons jusqu'aux cieux. Il s'agit de savoir si l'ennemi dangereux n'a pas bien avant nous déjà pris le point précieux. Oui, 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 c'était un Edelweiss, un gentil Edelweiss qui nous quittait là-haut pour un dernier assaut.
plombier dans vos tartes, les gars. Vous aurez moins froid. Passe-moi le Genepi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se dépêche d'attendre. Attendre, c'est le vrai métier du soldat. Olympe, mon amour, j'ai bien reçu ta dernière lettre qui m'annonçait ta venue la semaine dernière. Durant ma permission, elle m'a transportée